Elle est pas fun celle-là. Elle est dans la tête là. Bon, du coup, j'ai fini le premier objectif de la journée, c'est-à-dire mettre de l'huile de lin sur ça. Je sais même pas comment ça s'appelle, mais c'est ce qu'on met sur le ponton là. Et deuxième objectif de la journée, c'était. Bon, vous allez le voir, c'est service bébé. C'est là, là-dedans, ça se soulève. Et en dessous, c'est tout nettoyé parce qu'il y avait tout un bordel. Il y avait un nid de guêpe. Je sais pas si Aronie pourra vous mettre des photos. Mais franchement, c'était pas fun. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que. Bah, j'ai passé un petit coup. Vu que tout le monde doit se poser la question, à savoir, mais Thomas, mais. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu nettoies? Je répondrai ça. Peut-être que je vous l'ai déjà dit. Je m'en fous. Là, c'est quasiment propre. Tout le monde doit voir ça, je le sens. Et là, c'est tout pas beau. Ah, là, c'est tout beau. Non, mais hé. J'hallucine, mais c'est quoi ce bruit là? Ça vient d'où? Thomas, t'es passé où, Thomas? C'est quoi ce bordel? Non, mais là, c'est pas possible ça. Non, mais. Ah. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Putain. Mais je brosse. Oh putain, ça me fume le cul. Bah ouais. Ah ouais, mais c'est si. Clean, hein. Regarde, hop. C'est propre ici. Propre. Bah ouais. Oh putain. C'est je peux plus. Et Aaron, il a fait pipi dans son pantalon. Quoi? T'es d'accord ou pas? De quoi? J'ai rien entendu. T'as pas entendu? Non. Parce qu'il a des bouchons d'oreille en fait. Et t'es pas d'accord que t'as fait pipi dans le pantalon? Oui. Ah putain, et on s'amuse bien hein, franchement. Là du coup on est mardi et ce qu'on va faire c'est qu'on va poncer l'intérieur du bateau. Parce qu'on est sponsor qui est-ce maintenant. Et ouais. Aujourd'hui, grosse galère là, on est en train de s'occuper de tous les papiers pour Sirius. Donc je vais vous emmener avec moi dans les bureaux, vous allez voir, ça va être trop bien. On va aller faire ça dans les bureaux pour faire tous les petits papiers avec Sirius, c'est parti. Hop. Et voilà les bureaux. Bonjour. Donc Thomas, c'est ici qu'on s'occupe des papiers pour Sirius, c'est ça? Exactement. Très bien. Et bah du coup, tout l'administratif c'est ici. Nickel. Bah on va s'occuper de ça alors, parfait monsieur, merci beaucoup. Bonjour. Plus chaud là, ah, je te le dis là, je sens. Oh la vache! Oh la putain! Bon, oh putain! Oh, on sent, c'est chaud! Ah ouais! Alors, ah, c'est clean hein? Celui-là! Si, mais t'inquiète, on dirait de la crème Mont Blanc praliné vanille.
Comment on fait l'introduction de la nouvelle vidéo de la semaine prochaine? Ouais, j'espère que vous passez des bonnes vacances. Bravo Nils pour le triflip. Ouais, Nils, le triflip, bien joué Nils. Alors que moi j'ai mis, je sais pas, 10 20 mètres. Normal. Une semaine. Il l'a mis en une semaine, bien joué. Ah, c'est vraiment stylé mec à la caméra l'isolant là. Bon, bonjour à tous. Et à toutes. Oh, je me suis mis de la colle partout. Hein. Et à toutes. Et à toutes. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la semaine, je sais pas combien, de les rénovations. 3, 4. Avec Thomas. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, mon grand? Quoi, mon cul? Ouais, je pense qu'on va ton cul un peu. Ouais, on fait l'isolation. Ouais, on fait l'isolation. Et c'est oui. Facile, c'est l'isolation. C'est donc, non, c'est pas facile, c'est vraiment super chiant. Donc, et l'isolation, c'est comme ça. Ah non, c'est pas facile. Isolation. Ah, là, bah, je me suis trompé là. L'isolation, bah quoi, il faut quoi? Il faut l'isolation. Allez. Donc ouais, c'est ça cette semaine, c'est ouais. Ouais, d'accord. Oh. C'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Ah ouais. Donc cette semaine. Ça remonte là. Mais qu'est-ce que chier, je peux pas expliquer mes trucs tranquille. Ah ouais, c'est gros. Hey, salut Thomas. Salut Aaron. Thomas. Comment ça va? Alors qu'est-ce qu'on voulait dire là déjà un peu? Ah oui, les enfants, quand vous utilisez la néoprène, c'est ça. La colle. Ah, la colle. Mettez des masques comme ça, parce qu'en fait, avant, on avait des masques comme... Nul, là. Là. Comme ça. Voilà. Ah, c'est pas stylé, ça, hein. Non, franchement, indice, c'est pas stylé. Voilà, mettez comme ça. Ça coûte pas cher, en plus. Oui. Ça coûte 40 balles, c'est nickel. Non, mais oui, plus sérieusement, la dernière fois, on avait fait de la néoprène. Ouais, putain, ouais. Et on avait mis des masques un peu nuls et on était défoncés à la fin, ça faisait mal à la tête, c'était pas rigolo. La néoprène, c'est vraiment un peu énervé. Ouais. Parce que vraiment, travailler toute la journée... dans le bateau comme ça là, et bah c'est pas drôle hein. Le soir on mangeait, on avait le goût de la néoprène dans la bouche, dans le nez et tout, c'est dégueulasse. Alors qu'avec des vrais masques comme ça là, et bah c'est nickel tip top, aucune odeur, rien. C'est tout beau en plus, c'est stylé, ça fait genre un peu apocalyptique comme délire. Exactement. Donc voilà, c'est important de bien s'équiper pour travailler, parce que bah comme ça au moins tu meurs pas quoi. C'est ça que je devais faire en plus. Ok, pour la néoprène. Petite explication, tuto d'Erwan partie 2 pour la néoprène. Et oui, partie 2, les tutos d'Erwan. La colle à la néoprène. Donc c'est ça, pot de néoprène comme ça. Faites bien attention parce que même si vous avez des petites surfaces, genre là on a un pot de 2 litres, ça a juste fait cette pièce là. Donc voilà quoi, il faut vraiment beaucoup de colle parce que, première étape, colle néoprène, il faut coller notre mur. Donc hop, là vous voyez ici c'est un peu plus foncé, c'est parce qu'il y a de la colle dessus là qui est en train de sécher. Là il n'y a pas de colle, là où il y a le trait. Hop, et pareil ici sur notre petit morceau de liège, on met de la colle et on met de la colle là. Après, on laisse sécher pendant 10 minutes. Vous laissez la colle poser comme ça 10 minutes. Et après, quand vous allez la toucher, là je ne fais pas parce que ça n'est pas 10 minutes encore. Quand vous allez la toucher, ça va être un peu collant, mais ça va plus vraiment coller de ouf. Et c'est à ce moment-là, au bout de 10 minutes, que on va prendre notre petit morceau de liège et on va le poser sur le support. Il faut faire vraiment gaffe parce que la colle, elle colle super vite. Donc en gros, si vous le posez, après à décoller, ça, c'est impossible. Genre c'est vraiment, c'est vous le posez et après c'est terminé, c'est collé, c'est fini. Aujourd'hui c'est l'atelier peinture et loulou. Comme ça, petit rouleau là. Sur la caméra, et non c'est une blague, on va quand même pas faire ça. Malade lui. Du coup ce que je fais là, c'est que bon, c'est pas super intéressant, mais je vous le partage quand même un petit peu. C'est que je repeins toutes les cales en fait. Vous voyez, toutes les petites cales qu'il y a. Hop, il y en a encore une ici. Il y a celle devant là-bas aussi que je suis en train de commencer. Hop. Enfin bref, il y a plein de cales partout dans le bateau. Elles étaient vraiment dégueulasses, dans un sale état. Bah, je vais vous montrer celle de devant par exemple. Hop là, vous voyez comment ça galère un peu. Bon là, j'ai passé un coup d'aspirateur et tout, mais... Disons que la peinture, elle est pas très contente de ce qui se passe. Et donc, on est en train de tout repeindre pour que ce soit beau, joli, un peu nickel. La peinture qu'on utilise, c'est... Bon là il y a de la peinture dessus, mais c'est de la peinture de sol trafic intense blanche.
Donc en gros c'est vraiment pas mal ça comme peinture, parce que du coup c'est de la peinture qui est faite pour les garages et tout quand tu roules dessus en voiture. Donc nous, vu qu'on va mettre plein de bazar dans nos cales, que ça va bouger pas mal et tout, et que ça va rayer entre guillemets, ça va frotter un peu tout le temps, et bah du coup c'est plutôt adapté comme peinture, et c'est solide, c'est étanche et tout, donc c'est vraiment bénef. Je pense, je suis pas sûr, mais je pense que c'est bénef. Donc voilà, sol, trafic intense, Luxen, bang bang. Et là vous avez vu, il y a les cales ici dehors aussi qu'on a refait, qui sont toutes belles. Hop, toutes belles. Et là aussi, tout beau, les cales, tout blanc. Donc ça c'est nickel, ça avance. Et puis aussi l'isolation là, ça donne, regardez un peu ce que ça donne. On en est à là à peu près, donc là il y a tout ce mur qui est bon. Là on est en train de faire le premier plafond, finir ici et puis faire les angles ici, sauf que là c'est un peu de la galère parce que ça c'est courbé comme ça genre. Enfin bon. Et après il y a encore tout ce côté là à faire. L'intérieur de la couchette ici aussi qu'il faut faire. Et ici aussi ça avance pas mal. On va mettre un peu la lumière, hop comme ça. Là on a fait tout ce mur là, le fond, tout le mur là, jusqu'ici. Et il manque plus qu'à faire le plafond et l'intérieur de l'armoire là, et ce sera fini pour l'isolation. Et ouais, et ça fait plaisir parce que l'isolation c'était un petit peu chiant quand même. Et on n'oublie pas de mettre la musique à chaque fois, comme ça là, ma petite musique. Je vais me faire niquer par les droits d'auteur. Voilà, allez. Oh yeah. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Son por ahí todos y todas esas poses que tú conoces. Gracias a mi mujer y tu amigo, pero en vivo solo contigo disfruto el show, bebé. Alright, asusta dime pa' dónde vas, que yo te caigo donde sea. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Pony up! Eh non! J'ai carte qui veut le bail là! Ça vient qu'elle fonctionne! Oh mec, oui! Alors si, hein! Alors, il y a un petit truc au pire, mec, on fait des avis à tout ça, mais. Il est content, là. C'est le milieu ou sur les bords que je chauffe plus? J'ai jamais fait de plan raclette. Tu m'étonnes. En fait, tu prends le petit raclette, toi? Ah, tu tiens, tu bien, c'est bien. Tu me laisses, mais c'est pas grave. Putain, mon collègue, c'est un calfon comment que t'as, Nicolas? C'est la scène de Jésus avec des animaux. Ouais, pétard, stylé. Ah putain, il fermait tout en entier. On fait le 2 aussi. Bah ouais.
Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tu